aéroport de Nusibé. Une dizaine de vols hebdomadaires. Les opérateurs touristiques à Nusibé commencent à entrevoir le bout du tunnel après 2 ans et demi de fermeture des frontières aériennes malgaches. Actuellement, l'aéroport international de Fassen accueille une dizaine de vols hebdomadaires, ce qui génère de nombreux emplois. Ethiopian Airlines fait partie des compagnies aériennes qui desservent cette ville touristique. À partir d'aujourd'hui, nous allons desservir Nusibé sur une fréquence de 3 vols par semaine, en plus des 5 vols qui ont déjà opéré sur Tana. Donc nous allons aussi rajouter 3 vols par semaine sur Nusibé, ce qui nous fait un total de 8 vols pour Ethiopian Airlines sur Madagascar. Comme vous le savez déjà, nous avons des destinations dans le monde entier. Au départ de Madagascar jusqu'en Éthiopie, et en Éthiopie, nous desservons plus de 127 destinations dans le monde. Quant aux destinations africaines, nous avons plus de 62 destinations qui relient Madagascar à l'Afrique. Concernant le cargo, nous avons aussi plus de 66 destinations dans le monde qui nous relient sur Madagascar. Compte tenu des situations sanitaires, entre autres sur les 2 dernières années. Donc nous offrons à notre clientèle une flexibilité sur les dates, sur les changements de dates et surtout pour les changements de voyage. Les autorités locales et les éléments des forces de l'ordre veillent à la sécurité des habitants et des touristes afin de faire de la ville de Nusibé une destination accueillante et sécurisée. Tout a également été mis en œuvre pour le respect du protocole sanitaire anti-Covid-19.